Salut. Nous sommes mardi et j'ai le plaisir, que dis-je, le bonheur de vous annoncer que j'ai un nouveau travail. Je suis trop contente, un truc de fou. Donc j'ai eu la confirmation ce matin et là je dois faire un mail pour démissionner de mon job actuel. Mais je suis trop contente! Mon Dieu! C'est tellement d'émotions, c'est un truc de malade. Et je suis juste trop contente, je suis méga reconnaissante. La dame, elle est tellement gentille et bienveillante. Donc, ça me fait trop plaisir. Après, je la connais que depuis. Mais ça me fait tellement plaisir. Et en fait, c'était fou parce que au début de l'appel, elle disait oui, alors voilà, on a été très contente de te rencontrer, on a passé un bon moment avec toi. Tu sais, j'étais en mode vas-y, dis le mais, dis le cependant, etc. Quelque chose, dis. Puis elle dit mais du coup, nous avons une place à t'offrir, j'étais là. J'ai voulu pleurer, genre vraiment je... En fait c'est simple, elle m'expliquait des trucs après. Et le problème c'est que j'étais tellement émue que mon cerveau, c'était le brouillard. Il était embrumé partout, je ne comprenais plus rien de ce qu'elle me disait. J'entendais des mots, donc je disais oui, point exé a cessé de fonctionner, d'accord. C'était ciao. Et du coup voilà. Donc je suis contente. Je n'ai pas encore signé mon contrat, mais je le signe semaine prochaine. Donc on croise tous les petits doigts pour espérer que tout se passe bien. Alors c'est trop marrant parce que j'avais une copine, on parlait avec une copine hier, elle disait oui, en plus pour l'instant il y a une pleine lune, une super lune, apparemment il y a plein de changements qui sont en train d'opérer. Et moi j'étais là, vas-y, changement de job, vas-y. Et j'ai mal au bras. Quel curieux personnage. Vous avez vu ça? Bonne route. Ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais doublage. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir s'il est respirable et s'il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou. Il y a une dame qui m'avait dit comment elle était super beau, donc je suis super beau. Faut que je rentre comme ça. Hop là. Ok, donc je viens de tenir ma journée de travail. J'avoue que c'était long. C'était très très long. Et les gens étaient bien casse-pieds aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il y a des jours comme ça. Mais bref, là j'attends qu'une copine puisse de fermer et ensuite aller faut pas que je tombe, et ensuite on va faire le chemin du retour ensemble. Il fait un peu froid, un peu frisquet gentiment. Demain j'ai congé.
En fait, je viens d'apprendre aujourd'hui que j'avais congé parce que demain c'était Pâques. Je pensais qu'on travaillait le jour de Pâques, mais ben non, ben tant mieux, tu vois, c'est bien. Je crois que je vais rentrer, je vais dormir. Mais demain, je crois qu'on ira se balader. J'ai bien envie d'aller me balader. Et voilà, en vrai, rien à raconter. Je suis là! Rien à raconter, si ce n'est que je retravaille ici lundi, mardi. Puis je commence mes premiers jours à mon autre travail, mercredi, jeudi, vendredi. Puis je retravaille ici, samedi, dimanche. Et puis je commence officiellement de l'autre côté. Dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Hello. Elle, c'est Léa. Enchantée. Voilà, bisous. Ok, est-ce que vous voulez savoir un truc drôle? Je suis là, je vais goûter le Five Guys parce que j'ai jamais goûté de ma vie. Alors là, on est le soir, je vais manger chez Five Guys. À midi, je vais manger chez McDo. Faut pas faire ça tous les jours. Les enfants, ne faites pas ça, à ne pas répéter chez vous. Alors, je sais pas trop où on est. Mais on est dans un intérieur. C'est genre tout vitré là-haut. En fait, on dirait que ce sont des bâtiments extérieurs. Mais on a mis une grande vitre. Et ça donne un côté serre. Et les gars, regardez, c'est trop beau. Genre, il y a une immense fontaine. Tout ça, c'est de l'eau. Et il y a une belle statue là. On va essayer de se rapprocher un petit peu pour voir ça de plus près. Mais c'est trop, trop bien. Je m'attendais pas à ce que l'eau elle soit là, elle est tellement toute lisse partout, on voit juste le reflet des éléments et de ce qui est autour en fait.